Bonsoir à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois donc, je vous avais parlé de mes stocks de nourriture qu'en est-il pour vous? Et ben c'est parti, on regarde. Alors, mes réserves d'eau. Alors pour l'instant, c'est pas non plus extravagant, mais bon, c'est pas bon les vues. Donc là, un réservoir d'eau. Alors je sais plus combien que ça fait, mais je crois que ça fait dans les alentours de 10 ou 15. Là, ça peut bien faire 15 litres. Et donc derrière, les bouteilles d'eau, il y en a encore là, ici. On voit ici un peu, voilà, ici. Donc ça, c'est pour les réserves d'eau. Donc je pense que je vais en remettre là. Et bon, on va parler d'hygiène un petit peu, voilà. Ça, bon, PQ, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est aussi quelque chose qui peut bien servir. Hein. C'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Et en haut, c'est mes stocks de couverture. Et là, c'est même pas la moitié de ce que j'ai. Donc, mais ça, on fera dans une autre vidéo. Bon, mais la technique très simple pour amasser de l'eau assez rapidement et à grande vitesse. Bah, chaque fois que vous allez chercher quelque chose de course, il vous manque, je sais pas moi, on va faire des spaghettis, il vous manque la boue, et bah vous allez chercher la boue, et en même temps vous cherchez un pack d'eau. La fiscalie, la supérieure, elle est à 1,09€. 1,09€, vous y allez une à deux fois par semaine. En trois semaines, vous avez trois fois ce que j'ai là. Bon, ça peut être une bonne solution. Ça marche bien, ça va assez vite si vous faites correctement. Et donc après l'eau, après il faut aussi avoir de la place hein, puisqu'effectivement un pack d'eau ça prend quand même pas mal de place. Après si vous avez un balcon, peut-être stocker sur le balcon, mais bon, si vous voulez prendre un bain chaud et que vous pouvez vous chauffer, il va falloir un petit peu attendre. Mais bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis comme d'hab, préparez-vous bien, et vous bien. Et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao !